Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul parce que j'ai fait pas mal de commandes comme d'habitude, notamment chez Missguided, chez H&M, des chaussures, des sacs. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager tous ces trucs que j'ai trouvés. Donc, je vous mettrai en description comme d'hab les liens. J'essaie toujours de vous trouver des trucs qui ressemblent, des trucs moins chers ou alors si jamais ce que je vous montre n'est plus dispo. Voilà, j'essaie franchement de. J'essaie toujours de vous trouver quelque chose pour remplacer si jamais c'est plus dispo. Vous avez l'habitude, en tout cas je fais ça à chaque fois dans mes hauls. Ok, donc la première chose que j'ai acheté, c'est une paire de Converse plateforme en fait, que je vous ai montré sur Insta Story, mais vu que vous êtes plus nombreuses à me suivre ici, je me suis dit que j'allais aussi vous les montrer. Je les ai encore jamais portées parce que la météo était trop mauvaise, donc voilà, elles sont toutes neuves. C'est donc des Converse plateforme comme ça, que j'ai acheté sur vente privée. Donc c'était une vente privée qui est passée, et si jamais vous voulez en avoir des basiques genre noires ou blanches ou autres, c'est donc 80€ il me semble, et vous pouvez en trouver un peu partout, franchement il y en a partout, sur internet, en boutique, je crois qu'il y en a même chez Bershka. Je mettrai tous les liens, voilà, j'essaierai de vous en trouver le maximum. Je fais déjà 1m78 mais j'aime trop les baskets plateforme, donc ça m'empêche pas d'en porter. Je les trouve vraiment trop jolies et j'ai hâte de les mettre, voilà. Deuxième paire de baskets que je vous ai présenté sur Instastory d'abord. Donc c'est mes Vans à damier mélangé que j'ai trouvé sur Asos et que j'ai payé 85€ à peu près. Et en fait je vous avais demandé de m'aider sur Instastory parce que j'avais aussi pris la paire de hautes en fait, les mêmes hautes, et vous avez été plus de 80% à me conseiller de prendre cette paire là. Donc je vous ai écouté et je suis trop contente, elles sont vraiment parfaites pour le printemps. En plus elles font des plus petits pieds comme ça. J'ai hâte de les mettre et franchement je vous les conseille, elles sont vraiment trop jolies. Elles sont canons et d'ailleurs je sais qu'elles vous ont beaucoup plu. Ensuite j'ai acheté un sac chez Zadig & Voltaire. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore cette marque en fait, j'adore la maroquinerie Zadig & Voltaire surtout. C'est mon 7ème sac Zadig & Voltaire. Donc c'est un nouveau modèle qui s'appelle Rocky. Voilà, le Rocky il est comme ça. En fait il ressemble à la pochette de chez Zadig & Voltaire, mais il est beaucoup plus grand en fait que la pochette. Et ce qui est super cool avec ce sac, c'est qu'on peut le porter de plein de manières différentes. Donc on peut le porter soit en banane comme ça, donc collé sur la poitrine en biais comme ça, c'est hyper beau. Ou alors on peut le porter en bandoulière, on peut le porter à l'épaule comme ça. On peut enlever ça et ça, donc du coup ça devient une pochette qu'on peut porter comme ça. Par contre pour parler du sujet qui fâche, je l'ai payé 395€. Mais c'est un prix normal chez Zadig & Voltaire, c'est de la super bonne qualité. Donc voilà pour l'achat le plus cher de ce haul. Après c'est fini, je vous promets, il n'y a plus de trucs à 400€. Autre chose que je vous avais montré sur Instastory, si vous vous en rappelez, c'est des lunettes de soleil. Donc c'est des lunettes de soleil jaunes, celle-ci et celle-là. En fait sur Insta, je vous avais demandé quelle paire je devais garder et vous aviez été 80% à me dire de garder les rondes. Et donc j'ai bien vendu les Aviators en fait, c'était toutes les deux des paires de chez Asos. Sauf qu'après je suis allée chez H&M et j'ai trouvé les Aviators jaunes à 7€. Alors que les Asos, je les ai payés 17. Donc du coup à 7€ je me suis dit, vas-y je vais les prendre aussi, je les aime bien dans ce modèle-là. Donc c'est pour ça que j'ai les deux paires au final. Donc, je vais vous les montrer portées. Alors c'est pas du tout une paire pour aller au soleil, hein. C'est pas du tout pour aller à la plage, ça va pas du tout protéger vos yeux. Même en ville, quand il y a un grand soleil, je pense que c'est vraiment pas fait pour. Putain, elle est dégueu. Ça c'est les rondes et c'est voilà plus une paire je pense pour faire des photos, pour quand il fait pas trop beau, tout ça. Ok donc maintenant on va passer à Missguided. J'ai trouvé un sac à dos, comme ça. Un mini sac à dos en fait, en simili cuir, et il a des grandes bretelles. Donc en fait il tombe vraiment sur les fesses et il est trop joli. Les finitions sont très bien et tout, et il coûtait 37,50€. Et du coup voilà, je l'ai eu à moins 50% pendant la période de promo. Il est trop mignon. Toujours chez Missguided, j'ai pris des petits pulls pour le printemps. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, comme ça. Donc c'est vraiment un pull basique, juste il a une grande encolure comme ça pour pouvoir le mettre d'un côté ou de l'autre. J'ai aussi pris celui-là, le même mais en couleur un peu genre chocolat au lait comme ça. Et donc c'est un pull qui coûte alors 22€ à l'origine, mais vu qu'il y avait moins 50% sur le site, il est passé à 11€ et je vous conseille d'attendre d'avoir des réductions pour acheter sur Missguided parce que parfois c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais là franchement il est vraiment de bonne qualité, ça vaut le coup. Ils existent en une dizaine de coloris en fait, donc vous allez forcément trouver des couleurs qui vous plaisent, hein, franchement. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de noir, c'est des couleurs inédites dans mon dressing. J'ai pris deux sweats, donc le premier c'est un sweat
avec les épaules dénudées, donc soit d'un côté, soit les deux. C'est un sweat camouflage en fait, comme ça, délavé. Voilà. Et donc il est, il a des manches assez amples et voilà, il est comme ça. Le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc c'est un sweat gris basique avec écrit West Coast en rose. Rose et bleu, non? Ouais, rose et bleu, comme ça. Voilà. J'adore vraiment beaucoup les sweats Missguided, je vous les conseille. Ils sont hyper bien coupés. Ils sont vraiment de bonne qualité, ils sont plutôt doux et en fait les imprimés sont toujours trop bien. J'ai aussi acheté ce sweat que je porte, donc c'est un sweat crop top en fait. Je l'ai trouvé dans le déstockage, donc je l'ai payé genre 10€ et je pense qu'il est plus disponible. Mais en gros c'est un comme ça, enfin c'est le même que tout à l'heure en fait, c'est écrit West Coast aussi. Donc voilà, comme ça. Pour terminer avec Missguided, j'ai trouvé un t-shirt qui n'est plus dispo je crois, mais j'espère qu'il va revenir parce qu'il est vraiment trop bien. Donc c'est celui-ci en fait, c'est un t-shirt Stranger Things. Voilà, il est trop cool et en plus il était genre à 9€, un truc comme ça. Ensuite j'ai passé une commande chez H&M. La première chose c'est un jean en fait de forme mom et du coup c'est un jean en fait taille haute qui a des petits œillets partout en fait. Au niveau de la ceinture et c'est ça qui lui donne tout son charme en fait, je le trouve vraiment super cool. Il a aussi des petits œillets en bas comme ça. Et du coup je l'ai payé 30€ au lieu de 40 si ça vous intéresse. Je pense qu'il est encore disponible, je sais pas s'il est encore en promo par contre. Toujours chez H&M j'ai trouvé une jupe portefeuille à carreaux comme ça, voilà. Donc elle est assez courte. Donc je l'ai payée 30€ et je pense qu'elle va être parfaite pour le printemps. Elle est hyper mignonne. Je trouve que voilà, juste avec un petit pull rentré dedans. Ensuite chez Asos, j'ai trouvé un t-shirt tout seul comme ça. Donc c'est celui-ci. Voilà. Très très basique, mais je le trouve vraiment bien. Enfin moi j'adore ce genre de t-shirt en fait, des t-shirts blancs coupés basiques comme ça. Il était à 17€. Et enfin pour terminer, j'ai deux accessoires qui viennent de chez Missguided en fait et que j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure. Donc la première chose c'est des boucles d'oreilles comme ça. Voilà, des boucles d'oreilles à franges en fait qui ont une base voilà, en plastique, elles sont vraiment très légères. Je les ai payées 7,50€ et je les trouve vraiment hyper belles même si je change quasiment jamais de boucles d'oreilles. Et j'ai pris aussi un petit chouchou comme ça. Un petit chouchou velours avec des oreilles. Enfin c'est pas vraiment des oreilles, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme celui-ci que j'ai, sauf que c'est plus pour faire une queue de cheval parce que j'ai essayé de faire cette coupe avec celui-là et c'était bizarre. Ah oui j'ai oublié de vous dire, le chouchou je l'ai aussi payé 7,50€. Franchement là j'étais en train de regarder tout ce que j'ai acheté et je suis vraiment hyper contente, franchement j'adore tout ce que j'ai acheté. Je trouve que tout est vraiment trop joli et j'espère que vous aurez eu des coups de cœur, j'espère que ça aura pu vous donner des idées. En tout cas, tout sera dans la barre d'infos, comme d'habitude, des liens, des dupes, etc., etc., etc. Je vous mettrai le maximum de choses et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, du coup, voilà, je fais souvent des stories avec des trucs que j'achète et tout ça, tout ça. Et je vous demande aussi votre avis, c'est important. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. I'm dumbing out, you and I. I'm dumbing out, you and I. Yeah, yeah.